Yo tout le monde, c'est Thiom. Donc on se retrouve. La dernière fois, on avait réussi à prendre Benisuef et surtout la forteresse de El Arish. Qu'on va réparer, qu'on s'empresser. Qu'on ne peut pas réparer, qu'on n'a pas les moyens. On a combien? On a 3000. Ah ouais, on a carrément pas les moyens. J'ai fait une mauvaise manipulation. Ce sont des choses qui arrivent souvent. Par un tour, c'est pas très grave. Si au moins on avait l'argent nécessaire, ce serait pas mal. Espion. Espion, je vais l'envoyer à Jaffa. Je vais l'envoyer infiltrer la forteresse de Jaffa. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, il n'y a pas grand chose. Armée, ok. Parce que si là je fais quitter. Non, c'est pas possible. Alors, Napoléon, mon petit gars. Tu vas aller à tout là-bas. Oui, c'est loin. Tu vas marcher longtemps. Mais t'as pas le choix. Donc tour prochain, on reconstruit la forteresse quand même parce que travailler en grève. Ah oui, j'ai oublié de les mettre. Les remettre de l'eau. Voilà, bon là, usure. On répare la forteresse. Et la caserne et les usines d'artillerie, on a tout l'argent d'un coup, purée. C'est génial. Et on va devoir recruter un petit peu là. Ah, c'est parfait ça aussi. Où est-ce que ça manque d'unité? Là, il y en a 3 qui manquent. Vous savez quoi? On va se refaire une armée ici. Hein. Alors, qui est-ce qu'il y a? Pas un bon maître canonnier, voilà. Bah, je le recruterai du coup le tour d'après. Mais voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais bien sécuriser la vallée du Nil. Et je recruterai une nouvelle armée. Qu'est-ce que c'est ça? Les usures du désert, oui. Désolé, mon gars. Désolé. Donc juste avant, voilà, on fait un maximum de bâtiments que l'on peut. Pour augmenter nos revenus, hein, tout simplement, parce que là on voit qu'on a niveau revenu, c'est pas formidable. Puis ouais, je suis encore en perte de vieux désert, c'est fou ça. Alors je vais voir. Constitution moyenne, ok, la moyenne, je vais rester là et après on va repartir là-bas. Ça me permettra d'avoir l'armée qui soit bien, qui se reconstitue bien. Je sais pas combien de temps il me reste, on est fin octobre, il me reste une demi-année, une grosse demi-année, on va dire. Voilà, attention, ça attaque. Bon, heureusement, j'ai Napoléon qui est pas très très loin. Parfait, technologie avancée. Combien ils sont ici? Est-ce que j'envoie Napoléon ou est-ce que c'est pas la peine? Trois facile. Voilà, et puis ça fuit en plus. Donc, pourchassez-les. Résolution automatique. Glorieuse victoire. Perte. En attente de vos ordres. Voyez le peu qui est resté. Hein. Ça, c'est dommage pour eux. Cour de justice. Oui, et on continue le trajet. Voilà, on ira sur Alminia un petit peu après. Là, je veux juste savoir si l'Oasis, au niveau de l'Oasis, on va pas retirer nos unités de là. Donc on a plus d'argent, parce que tout, forcément. Hein. Quand il y a plus grand chose à faire. Voilà, donc là, l'autre, il est arrivé à Jaffa bientôt, là, mon espion. C'est parfait. Très en grève. Ouais, c'est ici. Hein. Benisuef. Normal, là il n'y a rien à faire. D'ailleurs là-bas est-ce que... Ok, ça reconstruit petit à petit, là il n'y a rien. On va faire un tour de deux. Justice où on peut. Donc ici c'est reconstitué. Quelques unités, ça devrait aller. Ce tour. Ah, est-ce que j'ai besoin de faire des routes? C'est surtout ça la question aussi en fait. Oui. Faisons des routes. Monsieur, à gauche, marchez. Attaquons sur vous. En avant. Bon, on les a renvoyés en arrière. Au moins ils nous embêteront pas
au nord, au moins pas de suite, ça c'est un bon point. Infrastructure, oui, est-ce que je déroule bien partout? Je suis pas sûr qu'ici j'ai une route. Hein. Si, purée. Bon, bah, cour de justice. Hein. Quand on a des routes, et eh ben. On fait des cours de justice, voilà. Mouvement continue. Très bien, économie de terre, tout bloqué. Ah bon? Oui. C'est quoi leur armée? Oui, monsieur. Ah oui, d'accord, ils sont armés. Préparez-vous pour la bataille. Ok. Donc, je vais essayer une résolution auto. Si ça passe pas, je vais faire le manuel. Tour avant famille. On va continuer les le siège. Les porcs ouais, pourrissent dans leur porcherie. J'ai de les pertes. La vertu et la valeur invaincue. Bien joué, mon général. Cette tribu si féroce se prosterne maintenant devant nous. Ces hommes nous respectent pour notre puissance et notre courage. Ils se joindront à nous si nous acceptons de partager avec eux le butin de nos victoires. Nos soldats auraient beaucoup à apprendre au contact de ces fiers guerriers du désert. Hélas, il ne s'agit là que d'une tribu parmi une multitude, et il faut s'attendre à de nouvelles attaques de la part d'autres clans éparpillés dans le désert. Alors forcément, du coup, guerrier d'Ochamo, mon général. Nos troupes ont beaucoup souffert du climat hostile. L'armée n'est pas équipée pour affronter les dangers de ces régions désertiques et essuiera de lourdes pertes si nous nous y engageons. Si nous recrutons des mercenaires locaux, nous pourrons apprendre à nous protéger des rayons impitoyables du soleil et nous serons capables de former des unités de combat combinant l'efficacité de l'armée française moderne et la sagesse ancestrale des Bédouins. Accorde une unité donc de cavalerie à dos de chameau, de dromadaire, et le recrutement de cavalerie à dos de dromadaire, putain de sa mère. Donc on va réparer, et en fait là surtout, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Recrutement canonnier à dos de chameau. Et alors ça les gars, ça c'est bon. Alors par contre, où est-ce qu'on peut les recruter tout ça? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut les recruter? Cavalerie à dos de... Non. Apparemment c'est que ici. Hein. Je sais pas qu'il y a une condition spéciale peut-être, mais... Ok, bah on recrutera que là, c'est pas un problème. Allez, je fais une caserne. C'est ça? Bah là j'en ai une. C'est pas grave. Alors je vais juste voir aussi, est-ce que lui il résiste au chaud? Habileté. Ah attends, non, ça veut pas dire forcément... Alors, je vais faire un test. Si je peux. Voilà, ici je vais recruter un. On va voir ce que ça donne. Ici, qu'est-ce que ça... Oui, bon, je vais le finir. Hein. Parce que c'est un peu embêtant. Ouais, il peut plus aller bien loin. Là, hurrah ça. Hurrah ça, je sais pas où est-ce qu'il peut aller courir autre, mais... Là, je crois qu'il a couru où est-ce jusqu'où il pouvait. Hein. C'est bédouin. Oh, putain, encore. La vache, une quantité de bédouin, là. Et il y a de la bouffe dans le désert. Hein. Qui a donné le mythe que dans le désert, on avait faim et soif? Je ne sais pas. En tout cas, dans le jeu, ils ont ni faim ni soif, les gars. Oui. Oh, les pertes. Oh, les pertes. On va recruter. Non, on peut toujours pas. Bah non, forcément. On va se laisser reconstituer un tour. Ici. Parce que ça pue. Hein. Ça pue. Ah merde, on n'a plus rien à faire ici. Recruter du canon de 8 livres. Deux chasseurs, deux unités de chasseurs. On fera de dragons aussi après. Et là, on va monter notre nouvelle armée. Hop, là, ils vont faire un siège, non? Purée, ils sont partis loin. Hein. Ok, lui, il a réussi à espionner, c'est bien. Est-ce que j'ai la portée pour y aller? Oui, j'ai la portée pour y aller. Donc, on y va. Marchez! Alors je voulais voir... Ah ouais, c'est ça, c'est bien ça. Hop, on refait une seule et unique armée et on attaque. On n'attaque pas en fait. On va dissoudre, je sais pas si on peut dissoudre. Comment on dissout là-dedans? Vas-y. D'accord, bah j'aurais appris quelque chose, écoutez, j'aurais appris quelque chose. On peut envoyer des armées spéciales dans le désert. C'est cool. Ici on est bon. Exempté d'impôts ce tour là, sinon on peut être content. Euh...
pas choper sur toi. Déjà le recrutement en cours. Eux ils vont. Ah putain, alors ça c'est chiant. Il va courir, 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 courir où est-ce qu'il peut lui. Par contre, ils ont une portée de déplacement, les cons. Merde. Alors. J'ai peut-être été légèrement gourmand sur le recrutement de cavalerie là. Ouais, un peu légèrement gourmand. Donc c'est pas grave. Ouais, on va faire un peu. On va faire 6 canons. Voilà. Et lui on le ramène. Lui, Napoléon, mon gars, ça va être compliqué pour toi, hein, je te le dis. Hein. Heureusement qu'il y a du canon. Putain, j'ai oublié. Les bédouins, ils sont moitié. Ah, ils vont jusqu'à Suez. Ah, d'accord, ils vont prendre Suez à tenaille. Ah, bah, ils sont motivés, les gars. Hein, purée. En avant, marchez. Ah, la vache. Votre humble serviteur. Heureusement, je vais pouvoir arriver. Mais un tour en retard, putain, quand même. Hein. Recrutement, les gars. On va recruter ce qu'on va pouvoir. Parce que là, là il... belle armée, bédouin, n'importe quoi. Et il y a encore lui, comment il s'appelle, Farouk Ismail. Ismail. Ok. Ici c'est bon, on va lancer le recrutement de nos canonniers. Hein. Deux par deux. Alors là on est 6, 6 plus 2 plus 6. Ok, ça me fait 14. 14, on va recruter encore ça. Ce sera le tour d'après. Hein. Fin février. Oh, on va pas réussir à la terminer dans celle-là. Je suis en débat un peu. Non. La campagne touche à son terme. Il nous reste 20 tours. Ouf. Ça va être compliqué. Hein. Oui. Forcément, on va attaquer. Hein. Faut pas déconner non plus. La résolution automatique, je pense que ça devrait passer là. La vertu et la valeur, invaincu. À vous ordres. Ça passe. À vous ordres. On reste là. Histoire de pas se refaire attaquer encore. Monsieur. Je vais devoir mener des batailles manuellement là. Voilà. Mais ça va qu'on est. En auto, alors je vais quand même tester en auto. Non, là c'est plus en auto, je sais pas pourquoi, je le sens très mal. Ouais, voilà. Je vais la rejouer en manuel. Reculez. Oui, je sais. Alors, jouer en manuel. Alors, pas facile là, en difficile, c'est compliqué cette campagne. Hop, mener la bataille sur le champ. On se retrouve après. Victoire, victoire, victoire pour la naissante. Personne République ne nous vaincra. 80 de pertes. Préparez-vous. Ce fut compliqué, hein. Marchez. Ah. Retraite. Ah. Ah bah, monsieur. Je l'avais pas vu celle-là. Hein. C'est tout con. Hein. bon, armée, on va recruter un maître canonnier. Hein. C'est bien ça. Hein. Oui, oui. Quoique un bon cavalier, ça fait quoi? Plus 1 pour mon écran. On dirige des unités de cavalerie. Ah oui, oui. Ouais, bah ça c'est bien. Allez, ok, bon, Frédéric gauche, est là. Autre chose. Maintenant, j'ai eu combien de cavalerie déjà? Deux. On va faire le double. Voilà. Et quoi là-dedans? Oui. Oui, oui, oui. Bon, allez, ouvrir, on y va. Ça fera pas de mal. Alors, on va passer pour toi. Pas trop le choix, de toute façon. Pas mon choix. Hop, résolution, tout va. Force et honneur. Petite victoire. Hop, ah bah, plus de bédouin. Ça va être chaud.
Voilà, par contre, il va falloir courir vite, Napoléon. T'es donné gagnant. Non. Non, 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 je veux pas la jouer, celle-là. Repliez-vous ! Bah non, mais va pas dans le désert, putain. Pourquoi tu vas dans le désert aussi, t'es con ? Tu peux prendre la route et aller tout droit, mais... Oh là là, bon bah là... Là... Tu me diras, oui, mais y'a pas de canon. Je vais la tenter en résolution auto. Bon, on va se faire défoncer. Je vais voir combien y a de pertes. Et je la mènerai en manuel après. La victoire est à nous! Pardon? Pardon? J'ai du mal! J'ai du mal avec ce tir! Hein. Je ne comprends pas ce tir! Je ne comprends pas. J'aurais dû me faire exploser. À d'autres, je dois gagner, je dois les exploser, je me fais. Infanterie de ligne ici, ouais, ça peut être pas mal aussi. Monsieur, on a combien là? Il manque 8 unités, donc 8, donc là on a 3, 3 et 3, 6. Ok, on recrutera ici. Là faut que j'avance. Là je vais pas avoir le choix que d'avancer, il va falloir que je fonce un petit peu là. Pas oublier, mais je suis un peu en retard. Ah bah si, oui, mais si ça fait ça aussi, ça va pas être facile. Hein. Bon, on va enlever la position. Je crois que j'avais enlevé la position dans un autre endroit sur lequel je peux remettre. Pas du tout. Pas du tout. Très très bien. Bon, vous voyez les canonniers, de toute façon, j'ai une armée là-bas qui attend que ça. Hein. Donc, c'est chiant. Voilà pourquoi j'envoie des... Prêt. Ah ouais. Ah ouais, j'ai déconné zéro, lui, par contre, quand on envoie des troupes. Hein. C'est quoi ça? Empire ottoman, mais... Ah oui, bah oui, il a tout ça, ça va. Bon. Deux. Il en a manqué. Trois, du coup, donc deux. Et trois, voilà, ça fera l'empreinte de ligne, c'est bon. Noir, mais on est bien, là, ça pousse, tranquillou. C'est con, il n'y a pas de canon de... Il n'y a pas de canonnier du désert. Ah, c'est dommage. Bref, on passe le tour. Comme rat en cage. On exige la reddition. Cessez le siège. Oh, lui, il a jamais réussi à rendre. Ah, j'ai de la cavalerie, quoi. C'est tout ce qu'il faut. Il a une infanterie, c'est pas grave. Je mène la bataille sur le champ. C'est une victoire de justesse, effectivement, bon, l'artillerie n'a pas avancé pour victoire prendre les murs du fort. Ça a été compliqué, hein. J'ai eu énormément de pertes, mine de rien, j'ai vraiment eu des pertes. J'ai même pas assez pour réparer les murs. Ah la dèche, quoi. Ah la déception, c'est la vraie dèche. Je vais l'aider avec cette armée, pas le choix. Je voulais l'envoyer là, mais... Non. Non, non, non. Pas possible. Là, par contre, ça avance bien. Un tour. Très bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah non. Les gars, respectez-vous, quoi. S'il vous plaît. Vous pour la bataille! La victoire est à nous! Ah putain, j'ai même pas envoyé toute mon armée, j'ai gagné quand même. Ah, j'ai envoyé un péon, le pauvre. Marchez! On va prendre Jaffa. Comme rat en cage. Pourquoi les... Attaquez! Préparez-vous pour la bataille! Non, mais non, ça a pas fait la même. Ça me demandait si ma touche fonctionne bien là. Préparez les troupes pour la bataille. La reddition. Regardez bien ces murs, mon général.
Comme les croisés avant nous, nous avons assiégé et facilement conquis cette ville. Nos navires de transport disposent désormais d'un port d'attache sûr, et les citoyens de Jaffa ont été libérés du joug du despote local. Mais ceci n'est qu'une étape importante. Ceci n'est qu'une étape importante, je le reconnais, vers la victoire. Nous devrons nous hâter de rejoindre Acre dès que nous aurons consolidé notre position ici. Mais en fait non, parce que... Ah, il y a une forteresse. En fait non, bah non, parce que tout simplement, je peux pas. C'est pas possible. J'essaie, il faut que je fonce, mais... C'est tendu là. Ok, toi tu viens. Là c'est la course, là c'est la course les gars, non toujours pas. Hein. Sans résolution et tout, là ça devrait passer. En fait je vais me faire défoncer comme d'hab. Je sauvegarde, hein. On connaît hein. Fonctionneur. Oh, la logique pour une fois. Allez, on grève. Ouais. Ah mais attends. On va y envoyer un coup. Coup de cavalerie là, monsieur. J'ai mené la bataille sur le champ. A tout de suite. Non mais on connaît hein, au bout d'un moment. Horde de groupe. C'est une belle victoire, monsieur, que vous allez bientôt remporter. Bon, bah, je crois que vous avez vu ce qui s'est passé. En fait, peut-être pas besoin de... après. Ça a été rapide et efficace, hein, j'ai été quand même bourrin. Mais c'est passé. Voilà. Grosso modo, c'est passé. Quoi. Ok, là on est bien. Je vais prendre Jérusalem en passant. Ils sont faits. Voilà. Homme en avant. Et on va aller sur Acre. Alors, je sais pas si, je sais pas comment Jérusalem ils vont se barrer à quel point. Ça peut passer, hein, écoute, hein, ça peut passer. Ils sont pas assez. Oula, ils sont pas contents du tout. Gaza. Ok, on les exempte pour l'instant. Ici, pff, pas besoin. Très très bien. Napoléon, on le tue. Dans un ou deux tours, je t'envoie prendre cette ville-là. Pas de recrutement, pas le temps. Je dis c'est déjà plus 10, ok. Triangle grève. Ici. Ouais. On va y envoyer cette armée là, voilà. Là je fonce sur Acre. Je manque de portée, c'est pas de bol. Hop, on envoie. Et on envoie aussi. Comment ils sont? Ils sont corrects. On peut pas réparer, hein. C'est vraiment très cassé quand même. On va réparer ça au moins. Allez, on t'en est doux. Ouais, c'est presque complet, allez hop. On envoie. Assiégez-les! Oh la vache! C'est derrière là que ça... C'est violent là. Alors attendez, on va essayer quand même encore la résolution autour. J'aime bien jouer avec longtemps, parce que j'ai vraiment la flemme. Glorieuse victoire. C'est débile. Préparez-vous pour la bataille. C'est d'une débilité. Bon au moins je crois que nation détruite. Voilà. Judée ils sont en grève, ouais, c'est quoi. On va faire de la Nice. Ils sont un peu moins en grève normalement. Ah! Encore une fois, j'ai pas pris toute l'armée ici. Génial. Marchez! Autre chose? Je me demande si je pourrais même pas les emmener, tu vois, carrément en Judée en fait.
En avant. Ouais, ça marche. Marchez, prêt. En avant. Pour la couronne et le pays. C'est chiant. C'est pas grave. On s'y fait. Alors, armée. Et recrutement, 2 tours. Ok. On verra. Ah. Abba. Ababda. Sur les côtes de la mer Rouge. Ok, voilà, ils sont pas contents, du coup, forcément, ils sont jamais contents. Dans les armées. Attends, ils sont tentés d'un peu, non? Ah, pas du tout. Oups. Oui, bah, c'est, vous savez, on oublie, ça c'est vite arrivé, quoi. Monsieur? Et là, ça tient, du coup, très bien. Monsieur, on verra. En avant. Ils ont cassé leur truc, mais arrêtez, les gars. À vous. Hop. Le siège la reddition. Est terminé. Nous avons réussi, monsieur. Acre est entre nos mains. Personne n'aurait parié sur nous, mais nous l'avons fait. Nos hommes encore valides. Les hommes encore valides établissent maintenant les défenses. Pourquoi je vois le sphinx et les pyramides derrière? D'accord. lorsque les autres ont récupéré de leurs efforts et des maladies, ils seront prêts à repousser toute attaque. Donc, ils passent au Pacifique. Hop, ils ont un agent ici qu'on va y envoyer à Damas. D'ailleurs, c'est quoi l'objectif final? Nicosie, ok. Condition de victoire. Rif d'Ishmak. Ah bah c'est Damas. Oh, je suis pas loin de la victoire, les gars. On va foncer sur la victoire, hein. Pas trop chaud là. Avec eux là, je vais avancer sur Damas. Je vais les emmener à Jaffa. Je vais les exempter d'impôts. Et c'est plutôt pas mal, hein. Banqueroute imminente. J'ai une sauvegarde, je sais pas ce que ça veut dire, une banqueroute. jamais eu ce cas-là. Damas, capturer la ville. Ok. Ouais, c'est cool. Comme ça. Vous pour la bataille. Ouais, on fait chier. Préparez-vous pour la bataille. À vos ordres. Hop, Galilée. Non, je sais pas, honnêtement, je sais pas ce que. Si c'est une banqueroute, les gars, je dis, hein, cette armée là qu'on a mis tant de temps à monter, hein, je le dis souvent, ça ne servira pas, donc c'est pas plus compliqué, hein. Ah, c'est quoi ça? Ah oui, non, très bien, on a une petite armée là, une petite armée là. Bon, c'est le temps. Oui, on a notre espion, c'est vrai qu'il est en chemin. On va aller à Beyrouth. Ah! Très bien. J'ai vu une petite armée là-bas. Petite armée bédouane. On va y envoyer Napoléon. Ah, on va prendre Beyrouth. Ils sont faits! Exemple de la reddition, comme d'hab. Pas besoin de faire plus. Ici, je sais même pas s'il y a besoin. Un exemple d'impôt, ça devrait passer. Hein. Oui. Ici, on prend l'armée, on la fait avancer, on va nous aider du bonheur, on exempte d'impôts aussi, bon, pas grave. Ça se rapproche, Tripoli, machin, et tout le bazar. Ah ouais, non, c'était juste pour me faire chier, quoi. Bon, bah écoute, mon gars... Ah, et puis ça fuit dans le désert. Écrasez-les complètement. Grave, invaincu. Troupe en avant. Juste voir. Recrutement. j'ai cliqué comme un malade, sauf que bah non. Ça marche pas, je sais pas. Préparez-vous pour la bataille. Commencez, voilà, le okay. Siège. Je vais voir si une résolution auto ça marche. Grave. Toi. Oh là là. C'est la victoire.
Bon, la fin était un peu bourrin, hein. je m'en excuse. Mais au niveau tour, on n'était pas bien. C'est quand même une belle victoire. On a fait l'artifice, les gars, profiter. Décembre 1804, j'étais à Notre-Dame. C'est avec fierté que j'ai vu Napoléon devenir empereur de France. J'ai trouvé la couronne de France dans un caniveau, dit-il, et je l'ai prise. Vive l'empereur! Donc c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui, la prochaine fois. Étape suivante, la campagne d'Europe. Donc, je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve la prochaine fois. C'était Thiob. Ciao.